La famille était presque au complet. Jeudi 28 juillet 2022, Jalil Lesper et Laetitia Hallyday étaient de sortie. Comme l'a dévoilé le réalisateur via son compte Instagram, ils ont assisté au baptême d'un jeune garçon prénommé Gabriel, qui est le fils d'une amie proche, en l'église de Lorient à Saint-Barthélemy. Pour l'occasion, la veuve de Johnny Hallyday était vêtue tout de blanc. Elle arborait en effet une superbe robe bohème à strass tout comme ses belles filles. Et oui, Jenna et Kania, les deux filles de Jalil Lesper étaient également présentes. D'ailleurs, en story Instagram, le père de famille a partagé de rares clichés des femmes de sa vie. Sur le premier cliché, on peut voir Jenna, la plus âgée, embrasser sa petite sœur Kaina sur la joue. En fond, leur frère Alyosha se fait discret. Pour rappel, les deux premières sont nées de son union avec l'ancienne Miss France Sonia Roland, tandis que le seul fils de Jalil Lesper est celui de l'actrice Bérangère Allo. Sur les deux autres images, Laetitia Hallyday accompagne le jeune Gabriel devant le prêtre. Un événement important auquel n'assistent pas ses filles Jade et Joy. Si cette dernière est belle et bien à Saint-Barth, l'autre est restée en France. Pour les vacances, Laetitia Hallyday est malgré tout bien entourée. Une famille recomposée a noté qu'en octobre 2022, Laetitia Hallyday et Jalil Lesper fêteront leurs 2 ans d'amour. Tous deux vivent ensemble dans le quartier chic de Pacific Palisades avec Jade, Joy et Alyosha. Dans un entretien accordé à Paris Match, la veuve de 47 ans s'était confiée sur cette nouvelle vie de famille recomposée. Il faut du temps pour apprendre à se connaître, construire une relation durable. Alyosha, le fils de Jalil, qui a 13 ans comme Joy, est rentré avec nous à Los Angeles pour vivre l'expérience d'une année scolaire en Amérique. Ce sera une année importante pour lui. Point ça crée un peu d'angoisse, mais on va y arriver parce que l'amour sauve de tout et peut déplacer des montagnes.